scénario un petit peu, c'est pas le mot, mais un petit peu animé, on va dire. Ouais. Non, mais le scénario nous sourit parce qu'on ouvre le score sur deux coups de pied arrêtés. Pour nous, ça a été le match qu'il fallait faire contre cette équipe de Paris FC parce qu'on savait qu'en ouvrant le score au début, on allait pouvoir reculer un petit peu notre bloc et leur laisser peu de profondeur derrière notre ligne défensive parce qu'au final, c'est des équipes qui jouent très vite sur la profondeur, qui ont des joueurs comme Laura, Lopez, Alfarella et d'autres qui aiment prendre des espaces qui vont très vite. Donc je pense que ça nous a aidé hein, de marquer tôt dans le match. On l'a vu. Après, on a défendu. On a été, comme je l'ai dit la semaine dernière, généreux dans l'effort défensif. J'ai l'impression que mon équipe, dans les moments où on est secoué, parce qu'on a été secoué par moments dans le match, hein, notamment sur la deuxième mi-temps, prennent du plaisir à défendre ensemble et ont été récompensés sur deux attaques rapides. On aurait pu même marquer un but de plus à 4-0 avec l'action de Moataz, mais voilà, on a fait le scénario parfait contre ce type d'équipe. Voilà, c'est vrai que je pense que le score est un peu lourd pour Paris au vu des occasions qu'ils ont eues en seconde mi-temps. Mais pour nous, je pense qu'on a été très efficace. À 2-0, justement, vous n'avez pas la sensation que votre bloc a un peu trop reculé parce qu'il y a quand même... Ah, vous êtes dans un rapport de force automatiquement à 2-0. C'est des équipes qui ont des ambitions dans le championnat. Donc ils se livrent. Il y a eu le changement de système de jeu également où ils ont joué avec à 4, avec deux lignes de 4, deux attaquants et puis des joueurs très rapides sur les couloirs. Donc il y a eu un peu plus d'impact de la part de cette équipe. Donc nous, on a reculé, c'est vrai. Bon, le fait de reculer, comme je l'ai dit, contre ces équipes, c'est pas forcément mauvais parce que ça nous laisse la place pour pouvoir les contrer. Et c'est ce qui s'est passé avec la récupération de Bilal Boutoba et le troisième but de Sissoko qui est, je pense, le tournant de cette deuxième mi-temps qui nous donne un grand ouf de soulagement parce qu'au final... Voilà, ça a été difficile quand même sur la seconde mi-temps, mais si on gagne le match 4-1, je pense qu'on a fait plus de bonnes choses que de mauvaises. Mais défensivement, j'ai trouvé qu'on avait bien tenu, avec un peu de réussite, c'est vrai, avec un gardien qui nous rapporte des points en ce moment et qui fait de très bons matchs. Donc, comme je vous ai dit, on a fait le match qu'il fallait faire contre ce type d'équipe, qui est quand même une belle équipe de Ligue 2. Le troisième but, finalement, c'est un signe de cette progression que l'on peut voir aussi, le fait de marquer dans ces moments clés plutôt que d'encaisser justement dans ces moments qui peuvent faire la différence. Oui, on peut l'analyser comme ça. Après, vous savez, le football, c'est pas forcément vrai la semaine prochaine, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, ce que je retiens en tant qu'entraîneur, c'est qu'on a un équilibre défensif d'équipe qui nous permet d'exister sur les temps faibles. Voilà, et puis surtout, la possibilité d'avoir à la fois d'être dans un profil de possession quand on a de la maîtrise et dans un profil d'attaque rapide. Quand justement on défend, c'est ce qui s'est passé avec les deux buts qu'on met, le troisième et le quatrième. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que subir, on subit, mais on sait qu'on a dans la poche deux, trois flèches à mettre à l'équipe pour pouvoir marquer en attaque rapide. C'est ce qui s'est passé, hein, parce qu'au final, si on ne recule pas et si Paris n'attaque pas, on ne met pas le troisième but sur une attaque rapide. Donc c'est ça qui est, nous, en tant qu'entraîneur, dans sa globalité. Maintenant, il faut reconnaître qu'on a subi en deuxième mi-temps, qu'ils ont eu des occasions aussi, notamment sur le côté droit, et que le score est un peu lourd au vu de la physionomie du match pour l'adversaire. Mais moi, je pense que mes garçons méritent la victoire ce soir au vu, on va dire, du scénario du match et de la générosité, en tout cas, et de la qualité qu'ils ont mis dans ce match, que ce soit offensif, mais surtout défensif. Une semaine intense avec trois matchs et finalement 7 points pris. Quel regard vous portez sur cette semaine qui a été bonne finalement dans le jeu?
Ouais, ce que je retiens sur cette semaine, c'est qu'on s'impose 2 fois de suite à domicile. C'est important d'avoir de bonnes stats à domicile pour se donner voilà, toujours un engagement à l'extérieur. Donc on est content, franchement, quand on prend 7 points sur 9, forcément on est content. On va bien récupérer. Cette semaine va nous faire du bien pour préparer le match de Sochaux, qui va être un autre type de match. Mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est la cohésion, c'est la solidarité de l'équipe, le fait aussi que le banc soit important sur le match, parce que voilà, il a été important et ça c'est une bonne chose. Et puis sur le cas de forcément de Sissoko, on est content qu'il marque son premier but. Et on est content aussi que ça valide le travail de mon staff médical et du staff de réhabilitation. Parce que je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'heures de travail avec Ibra. Et c'est une récompense pour tout le monde. Vous parliez du banc aussi, on a la sensation que cette saison, vous avez plus de solutions à votre disposition, que ce soit quasiment à toutes les positions, au milieu, en attaque notamment. Oui, moi ce que je vous avais dit la dernière fois en conférence, on est homogène. On a Joris Moutachi et Kasubi et Mathieu Michel qui vont reprendre la semaine prochaine. Donc oui, on a du nombre. Après, il faut gérer les formes, les méformes. Ça, c'est à moi de le faire. Mais je l'ai dit, il y a une petite, on va dire, concurrence qui est importante pour garder toujours les jeunes joueurs en éveil. Et on l'a montré à Ajaccio, où on avait fait tourner des joueurs qui ont été au niveau. Ça veut dire que la semaine prochaine d'entraînement va être très intéressante pour l'entraîneur. Pas s'enflammer malgré le score et bien préparer l'arrivée sur la table. Non, bien sûr, on peut pas s'enflammer. Il faut être conscient que on a fait des bonnes choses ce soir, hein, parce qu'on ne met pas 4 buts en Ligue 2 si on n'a pas de, on n'a pas fait de bonnes choses. Mais c'est un match avec où on a eu pas la main mise sur le match, donc pas à s'enflammer. Il y a simplement à analyser les choses qu'on n'a pas fait de bien et puis travailler sur ces choses-là pour améliorer l'équipe, parce que on n'a pas, voilà, on doit encore améliorer bien sûr l'équipe, mais je suis content de l'investissement des garçons. Ils sont récompensés par ce score et franchement, vraiment, je suis très content pour eux. Vous parliez aussi de Terre avant la rencontre d'Automotive. On a l'impression que Moita s'intègre de plus en plus dans le cœur du jeu. Ses prestations, notamment les 2 dernières domiciles, sont très convaincantes. Ouais, c'est ça. C'est on va dire à cette position qu'on avait. Alors même si en deuxième mi-temps on n'a pas eu de phase de possession, on n'a pas réussi à garder le ballon. On a à l'intérieur du jeu, sur la partie un petit peu plus haute, oui, un joueur qui est capable de faire la passe décisive ou qui est capable de poser le ballon ou de résister à l'impact qu'il y a au milieu de terrain, parce que c'est pas évident toujours pour des positions 10 ou des positions haute axiales de jouer contre 2-6 costauds et ainsi de suite. C'est toujours il y a toujours du trafic, il y a toujours de la densité de joueurs, donc il faut être subtil et bon. Et c'est un joueur qui ne jouait pas, qui joue en national l'année dernière, puisqu'il avait été prêté par Strasbourg. Et là, il commence à prendre le rythme et les intensités de Ligue 2, comprendre quand il faut lâcher, quand il faut garder. Il est en train de se bonifier avec le nombre de matchs qu'il fait et la confiance qu'on lui accorde. C'est bon, merci.